Merci, allez, on est à la numéro 1 derrière la voiture bleue et orange pour vous checker. Bonne journée. Ah, la nuit a été très courte mais très 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 fraîche. Mais bon, on est là, c'est le matin en forme pour partir. Du roadbook à la main, petit stylo et c'est parti. Aujourd'hui, ça y est, c'est les pistes qui commencent. Remise dedans, ouais. Aussi, à 16h. Rendez-vous à Merzouga. À tout à l'heure. C'est dur, hein. Ah là là. On en chie avec des paysages pareils. Ah ouais, ça fait mal aux yeux. C'est dur, vraiment. La vie est très belle. Conditions dures. pour tout vous dire. On apprécie énormément, ouais. On a vu pire. C'est vraiment magnifique. On se réjouit d'être à Merzouga ce soir pour voir ce que ça va être aussi. Ouais, putain. Les dunes. Nous, on veut voir du sable. On veut absolument voir du sable. Vous avez faim? Voilà. Merci, hein. Il y en a assez, hein, si vous voulez. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus malheureux que nous au bureau. En ce moment, donc. Je pense qu'ils sont en cours là, dans le froid. Voilà. On est lundi, ouais. Un petit coucou à mon tuteur de stage, Sim. On veut absolument s'en sabler. Et on veut absolument pas se perdre aussi. Et on veut absolument péter l'embrayage en sens sablant, puisqu'on n'est pas loin de le faire. Alors. Tu vois, autant le péter sur une route, c'est un peu la honte, autant dans la dune, ça passe. Ouais, il faut absolument qu'on le pète à ce moment-là. Bienvenue à Traville, c'est bien et c'est joli, merci. Bienvenue. On met les tout-terrains. Vous avez amené des roues? Ouais, 4 roues tout-terrain, donc on les change, ce sera mieux, je pense. On a quoi? Il nous reste quoi? Une heure et demie? Une heure et demie, il nous reste, on va se ramener là. Comme sur de la route. Elle a besoin de se reposer, comme les âmes. On va juste regarder le roadbook et... Et on va prendre la boussole pour voir à peu près le cap qu'il faut prendre pour partir. Et comme il y a plusieurs pistes, on hésite un peu. Mais on va prendre plutôt celle qui est là, à la droite. Là. Attends, parce que là... Et un autre mauvais. On a 2 km. Mais là, on en a 5 à 120. Et là, on a 2. Le but, c'est d'essayer de gagner des kilomètres. C'est d'essayer de tracer le plus droit possible ta route en fonction de ta boussole, etc. Et si, normalement, c'est ça. Là, ils passent tous comme ça, et on trace comme ça. Ah bah, en fait, on fait les moutons, quoi. Ah, ouais, oui. Là, on est... Ouais. C'est par où que vous avez dit? Celui-là? Oui, c'est ça. Allez, go. Allez, bon courage. Allez. Est-ce qu'on fait le demi-tour? Est-ce qu'on passe par la droite et on fait le grand cercle? Ou est-ce qu'on passe par là où, comme tu peux le voir, il y a du sable et tout, et c'est un peu compliqué? Voilà. Donc est-ce qu'on va se faire chier un petit peu ou beaucoup, on va voir. J'essaie de faire notre propre chemin et chercher à la boussole. Donc là on est assez fiers de nous, on a trouvé le chemin et c'est parti. On est dans le timing là. Ah si si, on est en plein dedans. On s'est fait secouer là par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu faire le malin et je me suis enlisé. J'ai voulu faire malin avec suivre un autre équipage. Non, c'est bon. Voilà quoi, j'ai trop freiné maintenant, mais je suis bloqué.
On a flingué un quart d'heure arrière. Voilà. On est un peu trop chargé là avec le matériel médical qu'on a, c'est tendu. Hein. Et du coup, bah, ça nous a valu un quart d'heure. Hein. Quart d'heure arrière. On ramène à peu près 50 lecteurs de glycémie, un fauteuil roulant, 8000 bandelettes réactives, 8000 aiguilles à usage individuel, et c'est tout. Pour une valeur de plus de 6000 euros à peu près de dons. Et donc ça charge bien, voilà. On a 3 cartons remplis, 6 cartables, 3 sacs de sport. On a hâte d'y être et de voir un peu ce que ça va donner. On est... cahier, classeur. Donc 3 gros cartons comme ça, après 6 cartables. Une bicyclette, une trottinette qui est là. Donc bon, on est prêt. Ça y est, on est à Merzouga, le moment tant attendu pour notre part. Tous les ans, je le dis, mais on vous lance un défi, vous le relevez. Il y a eu le matériel, vous l'avez relevé. On a lancé le 4L solidaire l'année dernière avec la Croix-Rouge, vous avez relevé le défi. Cette année, on vous demande de construire des écoles, et bien vous êtes au rendez-vous. Et ça, c'est le 4L Trophy, c'est la solidarité. Et rien que pour ça, un grand merci à vous tous. Les deux premières salles de classe vont être dans deux villages qui sont à peu près à, on va dire, une cinquantaine de kilomètres d'ici. Donc actuellement, il n'existe que deux salles de classe pour 6 niveaux dans les deux écoles. Donc en construisant la troisième salle de classe, ça va permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école tous les jours, les 6 niveaux. La moitié iront le matin, l'autre moitié l'après-midi. Mais aujourd'hui, grâce à cette troisième salle de classe dans les deux écoles, c'est tous les enfants qui iront à l'école tous les jours. Donc ça a vraiment une importance considérable. Quant au troisième projet, donc, qui n'était pas prévu, on a travaillé avec la délégation ces derniers jours dessus, parce que vous m'avez prise un peu de cours, mais c'était que du bonheur. Donc on va construire une première salle de classe et un bloc de sanitaire dans un village où il n'y a pas d'école. Donc finalement, comme je vous l'ai dit, c'est pas deux salles de classe et un bloc sanitaire qu'on va faire. C'est 3 salles de classe et 3 blocs sanitaires. Mille merci à vous tous. Merci beaucoup. Étape importante aujourd'hui, les 4L Trophy sont enfin arrivés à Merzouga sur le sublime site de l'Erchebi. Et pour terminer cette journée en beauté, un moment très attendu, la remise des dons. Chaque participant a enfin pu acheminer ses fournitures. Un très très beau moment pour les enfants et participants. On va se quitter là-dessus, mais on se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures. But nobody cares when it gets in there.